Salut, c'est Boisdin, bienvenue dans ce 3 minutes pour deviner. Comme d'habitude, je vous invite à deviner ce que je vais dessiner et de me dire en commentaire à quel moment vous avez deviné, si vous avez pensé à autre chose, etc. Voilà, moi j'aime bien regarder ça, des fois ça me fait rire et puis des fois j'ai des surprises hein, parce que je ne m'attendais pas à certaines choses, je ne m'attendais pas à ce que ce soit simple ou que ce soit compliqué. Voilà, bref, j'ai commencé, vous pouvez voir que c'est un rond, que c'est une tête, que c'est une bouche et que c'est un nez. D'ailleurs, cet épisode est un peu particulier car j'ai fonctionné différemment étant donné que j'ai un peu traîné sur le dessin. J'ai mis environ 5 minutes, j'ai traîné sur des détails, vous verrez. J'ai accéléré un peu le dessin et je commente par-dessus, comme ça c'est un peu moins long. Voilà, donc là ce sont des yeux un peu flippants, tout noirs. Comme d'habitude, je ne sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, j'ai mis une petite musique de fond fort sympathique que je mettrai dans la description. Si, tiens, je peux vous parler de... Pendant que je commence un autre élément du dessin, attention, je peux vous le dire, c'est un bras. Je peux vous parler de BDM et des vacances et de la rentrée, tout ça rapidement. S'il n'y a pas de BDM depuis un petit moment, si j'en ai fait que très peu cette année, c'est à cause de mon ordinateur qui est en train de me lâcher. D'ailleurs, le dernier BDM a mis énormément de temps à se faire et surtout à être monté à cause des temps de rendu, etc., à cause de mon PC qui souffrait énormément. Là, vous voyez que j'ai fait des petites fesses rebondies qui gigotent et des pieds pendant ce temps-là. Il y a peut-être moyen que vous commenciez à trouver. Bref, oui, donc j'en étais où? Oui, donc les BDM, les grosses émissions, je les arrête pour l'instant, car cet été, je vais travailler, là, ce mois-ci, en juillet, je travaille, pour me payer un nouvel ordinateur. C'est aussi pour ça qu'il y a le Tipeee, hein, c'est pour nous aider à nous acheter du nouveau matériel, et l'ordinateur, c'est la priorité numéro 1, car je commence à perdre vraiment, vraiment beaucoup de temps sur le montage à cause de mon ordinateur. Et en plus, j'ai plus beaucoup de stockage, etc. Bref, il me faut un nouvel ordinateur, il est trop vieux. Voilà, c'est tout. C'est l'outil le plus important quand on fait de la vidéo. Voilà, là j'ai entamé la deuxième main, qui est presque terminée. Je rajoute, voilà, c'est là où j'ai perdu du temps, vous allez voir. Je commence à rajouter des petites choses pour pas que vous trouviez exprès, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Là je vous le dis, il y a moyen. Je fais même, vous allez voir, voilà, une petite ombre. Voilà, je perds du temps, la main va dire bonjour. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, là il manque vraiment les 2-3 éléments très très importants. Là je fais un élément important, donc une oreille un peu bizarre. Je peux vous dire que j'ai eu l'idée de faire ce personnage, attention. Alors là peut-être que vous avez normalement tous trouvé, surtout quand j'aurai fini cet élément. J'ai eu l'idée de faire ce personnage à cause de la série Les Cassos, voilà, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc ça m'a rappelé ce personnage. Voilà, maintenant vous le savez, c'est un Teletubbies, c'est exactement Tinky Winky. Donc cette série pour enfants merveilleuse, que quand on regarde ça adulte, on a l'impression que les créateurs ont pris du LSD. Alors qu'en fait non, pas du tout, a priori c'était vraiment étudié pour les enfants, c'est pour ça que nous on comprenait rien. Moi quand je regardais avec ma petite sœur, je comprenais pas le délire. Je comprenais pas pourquoi elle trouvait ça intéressant, je comprenais pas pourquoi ils diffusaient deux fois la même chose dans leur petite télé. D'ailleurs, j'ai oublié de la dessiner, la petite télé, j'ai oublié de la finir. Normalement, je vais le faire. Enfin voilà, les Teletubbies. Pour ceux qui n'ont jamais regardé ça, un jour, par curiosité, même adulte, regardez ça. C'est vraiment incroyable. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous aimez beaucoup ce Teletubbies, ce Tinky Winky, plus précisément, que j'ai fait au pinceau, sans crayonner, comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important. Le Tipeee, si vous pouvez, et mangez des frites.